tenir une heure. Il y a les choses, vous savez, Rabbi Shmuel Hurwitz, un jour il a écrit dans un livre, il a dit, c'est quoi un breslev? Ah, il a commencé à écrire un livre en entier, comment il faut être un breslev. Quand tu lis ça, tu te dis, bon, laisse tomber, allez, c'est pas pour moi. Et à la fin, il dit, mais, ça c'est pour écrire le livre. Mais maintenant, actuellement, c'est quoi d'être un chassid breslev? Alors il dit, il y a des choses très simples à faire. Deux choses très simples à faire, il dit, Rabbi Shmuel Hurwitz. C'est d'étudier tous les jours une halakha, al-pi-seder, et de faire une bonne doute. Et il dit une parole très forte. Il dit, le jour où un homme a étudié le Shulchan Aruch, et il a fait une bonne doute, ce jour-là, il peut dire, je suis un breslever chassid. C'est une heure. Une heure. Une heure. Une vraie heure. Maintenant, mes amis, regardez comment c'est beau. Sha'a. C'est les rachetés votes. Shulchan Aruch, il doit des doutes. Et Shulchan Aruch, non? Sha'a, on a dit Sha'a, c'est une heure. Ouais. Sha'a, c'est les rachetés votes, les initiales. Shulchan Aruch, il doit des doutes. Shin Ain et Shulchan Aruch, il doit des doutes. C'est-à-dire, en fait, quand Rabbeinu te dit El Ha'adam chez El Lo Sha'a, ça n'existe pas un homme qui ne peut pas avoir du temps pour le Shulchan Aruch et pour il doit des doutes. On est obligé de passer par il doit des doutes. Il te veut des doutes, c'est lui qui te donne tous les manques et c'est lui qui te fait découvrir tout. Si t'as pas, il te veut des doutes, tu vois que des manques dans ta menorah. C'est quoi ta menorah? C'est toi-même. Tu vois que des manques dans ton orifice. Tu te dis, je suis un imbécile, je suis un naze, je suis fatigué, je passe une période qui est très dure, etc. Pourquoi tu parles comme ça? Pas parce que t'es comme ça, parce que tu parles pas à ton créateur. Tu lui parles pas, tu fais pas sortir ce que t'as en toi. Confie-toi à Hachem Itparar. C'est ça d'allumer les bougies au Beth Amikdash. C'est de faire montrer à tout le Ham Israël la puissance de l'Hidbo des doutes.